Je pense que l'important pour toi dans les FPS, c'est tout de même, c'est une possibilité que tu as Oui. de sans pour autant que tu te déconcentres. Donc cherche Voilà, bien c'est ça. les quand tu l'as que sur l'aim par exemple. Ça on n'en parle jamais, mais que c'est Oui. rotatif. Donc ne perds pas espoir. Tu peux le faire. Je peux le faire, on peut y arriver. Tous Oui, ensemble, on va y arriver, tu vois. Un message d'espoir, un message d'encouragement. 6-4 revient, il m'énerve. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in Pro League. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Bon, là, c'est de la ranked. Là, on va rentrer Là, on dans le rigole dur. plus. Là, Là, on rigole plus. on va rentrer dans le dur. Il y a un moment où. Otage? De quoi otage? Comment ça? LOL. Otage. T'as laissé otage poulet dans tes trucs? Voilà, ça, c'est un des problèmes aussi qu'on peut régler. Je suis pas du tout dedans. Elle arrive, non? Non, je vois rien. J'ai l'impression. T'es où toi? T'es VIP là? Elle arrive. Elle est billard. Sûr? Elle est maintenant. Ouais, billard, Ok, billard, ok, billard. ok. Mort? Ouais. Sur moi, c'est joué. T'as mon scalp? Je sais pas, il y a un mec qui m'envoie un message, il me fait Demon. Important. Bah attends, j'ai pas eu le temps de lire le truc. Ok, merci. Bah en gros, il disait que YouTube allait disparaître en janvier, il me fait flipper. Mais non, YouTube va pas Oh. disparaître en janvier. Mais effectivement, il y a l'article 13 qui est en train de passer en ce moment pour l'Europe et qui est un peu, qui fait très flipper. Ouais. En fait, ça pourrait supprimer des chaînes de personnes dont le contenu est regardé outre-Atlantique, c'est-à-dire des Américains pour des Européens pour des Américains. T'es débile, pourquoi? Bon, je me suis pas penché sur la question, j'ai juste vu le hashtag Save the Internet là aujourd'hui. Faut que je regarde, faut que je regarde plus en détail. Mais on parle de 4 millions de chaînes en France. Bah ouais, quand même. Ouais. Je suis sur la fenêtre. Sorry, bro. C'est où du coup? Ah, couloir. VIP, VIP, VIP. Ouvre-moi, je prends l'otage. Vas-y, vas-y. Dans mon dos, ça m'a C'est bon, buté c'est bon, bien, t'inquiète, wesh. t'inquiète. Je vais un peu trollé, désolé. C'est juste que l'euro veut faire passer l'article 13 sur les droits d'auteur, impossible à respecter pour un géant comme YouTube avec des millions de vidéos, du coup elle menace de couper YouTube chez nous. Elle a raison. Ok. Ah ouais, d'accord. De quoi, de quoi, de quoi, répète? Donc en gros, l'article 13 est tellement relou pour YouTube qu'il déciderait de, en fait, il menace en fait les mecs pour ne pas la faire passer et qu'ils disent on va couper toutes les vidéos. Enfin, on va couper Ah toutes les ouais. chaînes. C'est pour les droits d'auteur, les musiques, les paroles, tout ça, Ouais, c'est une je question pense comme que tu ça. peux plus Ça, utiliser en fait, c'est déjà qu'ils font les petits passages de 10 secondes, 15 secondes C'est sur une ça. vidéo, etc. Et vu qu'en fait YouTube, c'est impossible pour eux de contrôler tout, parce qu'il peut y avoir une musique qui est en fond sonore, mais que le mec parle par devant, donc bah, ça, le robot va pas vraiment capter ça. Faites plein de GG pour le nouveau sub. Attendez, faut que je joue. Je vous raconte ça après. Oh mais non, please quoi, la ligne de Flo. Oh elle prend la tête en plus. Attends. Ah tes drones poulet. Le drone arrive derrière toi, t'es gauche, t'as pied. Reste derrière la Mira et t'es forcément gagné. Faut que tu pètes le drone, autrement le drone va forcément venir te décaler. Le drone est stoppé, elle a repris, elle bouge. Non, décale pas, la joue même pas. Hein. Elle te regarde avec le drone, tu l'as entendu? Le drone va arriver. Ah, c'est style que j'aurais dans l'air. Ah, Casse la ligne, allonge-toi et mets-lui la tête. Elle va être juste à gauche de là où tu regardes, je suis sûr. Un peu plus à gauche? Voilà, bah oui, forcément. T'es un monstre. T'es un monstre. Mais tu vois, un peu plus à gauche, c'était logique. Pourquoi? Tu ne la voyais pas à cet endroit-là, elle venait d'arrêter son drone. Donc tu le savais à peu près où est-ce qu'elle était, parce que tu l'as entendu le bruit de j'enlève mon truc.
Or, tu t'as entendu un bruit de pas derrière? Non, si t'entends pas un bruit de pas, que la personne enlève son drone, ça veut dire qu'elle prend une ligne. Si elle prend sa ligne, c'est qu'elle prend une ligne sur toi. Si elle prend une ligne sur toi, c'était forcément par ce trou légèrement à gauche de là où tu regardes. Et je te disais, Kanebi, qui est aussi étudiant de la Salty Academy, parce qu'il me posait la question, ouais, est-ce qu'il y aura des emotes ou des trucs comme ça? Oui, il va y avoir des emotes comme pour Twitch, le même principe. Et mais également des badges et également des bracelets, des sécateurs et une tondeuse. C'est cadeau. On est comme ça, on est gentil. Tu valides? Oui, 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 bien sûr. Mais voilà, il valide. Ouais. Merci. Merci. Regardez le truc au moment où il arrive. Fenêtre WC toujours. Derrière toi, va derrière toi, voilà, bouge là-bas, 52 secondes, essaie d'avoir la bonne gestion du temps. Ta clé mort, elle te servira plus à rien. Envoie un lion là-dedans, maintenant, quand tu rentres. Allez, fais gaffe en dessous, il y a du monde qui joue, c'est forcément. La trappe est ouverte, tu vois que ça a été pété. Allez, push à droite, là tu viens, là tu serais mort 1000 fois normalement. C'est pas trop mal, décale. Mets-toi allongé, essaie de défoncer le drone écho qui vient de te péter la gueule, tout de suite. Là t'as plus besoin, décale plus, là c'est drone maintenant. C'est une autre phase, planque-toi comme une pute. Bien ouais. Plante-toi comme une pute, planque-toi. Ça, la bombe elle est plantée, si ton pote meurt, t'es mort. Mais oui, y'a un mec, t'as raison. Watch out from the window. Push poulet. Il est forcément en train de remonter au niveau de l'escabanane. Vas-y. Tu vas l'avoir de dos. Vite. Rush tout de suite sur site. T'arrêtes pas. A ta gauche, il va y avoir écho. Vas-y, va vers le diffuse. Dommage. Je te dis des trucs, poulet, tu les fais pas, je comprends pas. Extrêmement simple, je te dis pas la peine de décaler le truc, la bombe elle était plantée, tu restes au niveau de cette porte là, tu mets un drone sur site, c'est des trucs qui sont basiques. D'accord? Il y a deux modes de jeu, il y a le mode attaque, etc. machin, avec la gestion du temps, mais quand la bombe elle est plantée, c'est plus du tout la même chose. Et une fois que la bombe elle est plantée, on essaie de garder une. On essaie d'être à proximité, enfin on joue les mecs qui diffusent la bombe. Et donc dans ce cas là, on se casse le plus loin possible, mais tout en étant dans une range. Assez importante, enfin assez restreinte pour que si les mecs commencent à désamorcer, bah ils peuvent pas désamorcer le temps que tu arrives en fait. Donc là tu restais à ta porte, tu mettais un drone sur site et ça marchait très bien. Ah je me suis chié dessus, 6-4. Non ça va, j'ai fait le kill. Ah non je me suis rechié dessus. Deux fois de suite, quoi. Tu vises les pieds à chaque fois, poulet. Regarde comme ton viseur, il vise rien. Imagine-toi une ligne horizontale une ligne horizontale verticale. Chut, ta gueule. Ah putain. Je fais que de la merde. Ouais, je disais, imagine-toi une ligne horizontale et essaye de. Oh, regarde, c'est son pied là que t'as vu. C'est son pied que tu vois, elle est allongée. Non, mais elle est morte elle est morte. Ok, bah ça va, excusez-moi, j'ai pas suivi l'action. Je l'avais pas vu. Putain, mais quel gogol. Echo humping train. Ok. Termite. Please save me. Termite. 20 seconds, bro. You don't want to hurry. You saw him. That's him. 15 seconds remaining. Voilà, trop con. Ah, et en plus, il m'a pas sauvé. Je tiens à le dire. Fallait me sauver la vie, tu m'as pas sauvé la vie. T'es un mauvais termite. Pas bien termite. Bouh termite. Allez, on dit tous bouh à termite. Bouh termite. Bouh. Honte sur toi. Non, renforce pas là. Renforce pas le termite.
Mais tu me fais chier la fin, toi! I'm repairing. Le aim, le crosshair placement, le fait d'aller travailler, d'aller driller en terrorist hunt, le fait d'avoir deux comptes, changer sa souris, essayer de voir au niveau de son ADS pour essayer de l'augmenter parce que ça me paraît quand même un peu light. Donc faire un test pendant quelques temps à du 10-10-45 par exemple, tu vois, ouais, un truc comme ça. Ouais, voilà, et de toute façon tu sais que ce truc là ne peut pas être mauvais. Ton truc, il peut être bon. Mais on sait pas s'il peut être bon, tu vois ce que je veux dire? Il peut être bon, ouais. Peut être bon. Il y a des gens qui jouent avec des sensibilités qui sont vraiment très chelous, quoi. Falco est un monstre et il joue avec les flèches du clavier, tu vois. Donc bon, il y a de tout, faut de tout pour faire un monde, j'ai envie de dire. Mais ça, après principalement le aim et le game sense, ça viendra. Il faut jouer, il faut jouer, il faut jouer. Mais ne sous-estime pas, s'il te plaît, le fait que... Le pouvoir de la force. Ouais, aussi. Mais ne sous-estime pas, s'il te plaît, le fait que, bien, garde un compte sur lequel tu joues que si t'es chaud et que si tu joues avec des mecs de la Salty Academy par exemple qui sont d'un niveau supérieur au tien. Quand je dis supérieur au tien, j'entends gold. C'est le ventre mou que tu dois viser, gold. Gold, c'est là où il y a tout le monde. Être en dessous, c'est pas normal à l'heure actuelle. Surtout toi qui n'était pas, qui est pas en train de me dire je joue sur un portable à côté de mon micro-ondes dans la cuisine, quoi. Voilà. Ok. Est-ce que t'as des questions, mon poulet? Non, merci pour votre patience déjà, c'est cool. C'est toi, merci pour ta patience. En arrivant cuivre, je savais que ça allait pas être du gâteau. C'est toi qui nous supportes, c'est pas l'inverse. Et non, ben, tout est pris, j'ai bien noté sur un bout de papier tout ça, et je vais le mettre... Bah au moins c'est écrire, c'est bien. Ah, c'est déjà un bon début. Ah, c'est pas mal pour un gendarme. Oh là là, on vient de se... Oh là là.